Ah! Bah, ça nous permettra de regarder la cinématique ensemble. Parce qu'il y a une cinématique avant le menu principal. Bonjour. Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la première session de ça là. Tsukiden Kiwami sur PlayStation 4. Alors, Tsukiden Kiwami, à la base. Tsukiden Age of Demons est une franchise, donc Tsukiden est une franchise de Tecmo Koei, et c'était la réponse de Tecmo Koei à la démocratisation de Monster Hunter. Grosse, grosse franchise qui maintenant a bien, bien passé les frontières hein, et est également très, très utilisée et se vend très bien en Occident. Et avant qu'il y ait Monster Hunter World et ainsi de suite, il y a eu une phase sur la fin de vie de la. Enfin, milieu de vie, fin de vie de PSP et début de vie de PlayStation Vita, où pas mal d'entreprises ont tenté de percer dans le marché du Monster Hunter-like. Entendez par là des jeux structurés généralement en mission, avec des grosses créatures à combattre, des systèmes de loot, donc des pièces particulières pour lutter sur des créatures particulières, qui permettent de crafter des objets pour faire des équipements qui vont permettre de combattre des créatures toujours plus grosses. Le tout dans des missions généralement faisables seul ou accompagné, généralement de 1 à 4 joueurs, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc, Monster Hunter décliné ensuite dans différents univers avec des mini fonctionnalités différentes, voire même des core features différentes, mais toujours ce même esprit. On a eu notamment donc Tsukiden de la part de Koei Tecmo, j'ai toujours envie de dire Tecmo Koei, qui lui est apparu du côté de la PlayStation Vita. Ça faisait partie du catalogue assez assez rapide de la Vita. On avait God Eaters qui est apparu sur PSP, si je dis pas de bêtises. On avait Lord of Arcanade sur PSP également, et ainsi de suite. Tsukiden, bref. Le premier opus s'appelle Age of Demons, il est sorti uniquement sur Vita. Le second opus s'appelle Kiwami, et il s'agit d'une version 1.5 de Tsukiden. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va regarder settings avant de commencer. À l'intérieur de Kiwami, nous avons Age of Demons. Donc le premier jeu est à l'intérieur de ce Kiwami, plus à peu près le double de contenu apparemment, enfin d'après la jaquette, hein, c'est toujours pareil, mais avec la suite du premier Tsukiden avec le double de contenu, contient tous les contenus de Tsukiden The Age of Demons. Donc on va potentiellement passer 115 millions d'années sur ce jeu, parce qu'on a tout Age of Demons plus une espèce de Age of Demons 2. Et à côté de ça, ensuite, il existe également dans la franchise un Tsukiden 2, qui, lui, est sorti sur PS4 et PC. Ce Kiwami est sorti sur Vita, PS4 et PC. Nous, on est sur la version PS4, avec une PS4 standard. Donc j'imagine que niveau graphique, vu qu'en plus on est sur une reprise de Age of Demons, on va être sur du graphisme Vita un petit peu amélioré, mais sans que ce soit pétant. Et ensuite, Tsukiden 2, par contre, ça pourra potentiellement exploser un petit peu plus le plafond. Caméra, targeting caméra, ouais. Je vois rien de très particulier. Je vois rien en rapport avec des sous-titres ou quoi. Peut-être que la musique est un poil forte. Ouais, c'est un petit peu fort. Les musiques ont l'air très jolies. Je me souviens plus beaucoup. Hein. Moi, j'avais fait Age of Demons à l'époque sur Vita. Je l'avais terminé au niveau de l'histoire. C'est d'ailleurs le gros truc hein, que... Ça, on va mettre comme ça. Les voix, on va les laisser... Ok, les voix, on va les mettre comme ça, vu qu'on va sûrement parler par-dessus. Je vais vérifier que tout soit bien. Hop, cool. Autosave, oui. Upload settings, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Je sais pas trop ce que c'est, mais il n'y a pas de question de sous-titres ou quoi. Bref. Donc, Tsukiden, moi j'avais joué à Age of Demons sur Vita. Kiwami, jamais. Donc, ça remonte. On va redécouvrir tout ça ensemble. Je suis pas un grand aficionados des Monster Hunter-like. Mais on va voir ce que ça donne. Ouais, on est dans du graph.
Donc du graph pas dégueu, en même temps la Vita pouvait faire 2-3 petits trucs assez sympas, mais on n'est pas non plus dans, dans une folie, dans une folie totale. Ça a l'air joli sans plus, mais on verra après avec les décors et tout ça, et surtout les créatures, hein, les créatures qui ont très certainement un traitement particulier. Donc oui, aussi ce que je voulais vous dire, c'est à l'époque, comme dit, il n'y avait pas Monster Hunter World, donc c'est des jeux qui ont repris le concept Monster Hunter, mais ils ont appliqué notamment un scénario, une histoire, parce que c'était un peu le manque qu'on pouvait avoir à l'époque, qui maintenant est rempli par Monster Hunter World, mais du coup c'était notamment des jeux que j'allais particulièrement apprécier, donc Toukiden, et j'avais fait God Eater, le premier God Eater aussi, parce qu'il y avait une application de scénario en plus. Comment est-ce qu'on va s'appeler ? Assez parlé de ma vie et de la série, il est temps de jouer maintenant. Les majuscules. Alors, on va s'appeler. Non, on va se le. Il va vouloir avoir l'air classe, donc on va prendre le pseudo de base. Je vais l'appeler Didi, mais non, on va l'appeler Dia. Donc, le genre. Le genre. Ah bah, avant de choisir le nom, j'aurais dû choisir le genre. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais on va prendre 10 ans pour créer ce personnage. Hein. Voilà, vous êtes prévenus. Et j'ai une manière de créer les persos un peu particulière, mais que j'aime beaucoup. On va choisir le sexe au hasard. Ah, 2, on passe sur une fille. Ce sera donc Diana. Hop. La coupe de cheveux. Bon, la coupe de cheveux, généralement, on l'a choisie, mais... vous me direz, la couleur de cheveux, on est censé pouvoir également se teindre les cheveux, potentiellement. Mais on va dire qu'on est dans... Ah ! J'étais en mode, on est dans un monde où on peut pas se teindre les cheveux, mais il y a tellement de déclinaisons que on va se teindre les cheveux. Je vais pas faire un random basé sur toute la palette RVB. J'ai des limites. Bon, bah, voyons voir quels sont les... Bon, commençons par le visage. Je voudrais commencer par les trucs random. Si ça, c'est tous les settings qu'on a, ça va aller relativement vite quand même. On a combien de visages ? On en a 20. Donc, je vais en random. Entre 1 et 20. Je veux le numéro 10, s'il vous plaît. Voilà, je suis né comme ça. C'est ma vie. On va dire qu'il n'y a pas la chirurgie esthétique, par contre. Couleur de ma peau... Ah, bah pareil, on est sur un gradient. Bon. Enfin, on est sur une palette, plutôt. Oui, on va prendre un rosé. Comme ça, là. Ça. Oh non, j'ai annulé. Un petit truc comme ça, un peu plus vif, voilà. La voix, on ne la choisit pas. On en a combien ? On en a 20 aussi. Il y a 20 voix ! C'est énorme. On va prendre la voix numéro 12. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Play voice. Oh bah, on a une voix plutôt stylée. C'est sympathique. Voilà, j'aime bien découvrir mon personnage au-delà de le choisir. Et à côté de ça, par contre, il y a des choses que j'ai envie de choisir aussi pour répondre à une esthétique. Donc essayer de m'arranger avec ce que j'ai dans la vie, mais choisir 2-3 trucs ensuite pour que ça remplisse le contrat. Il y a combien de coiffures ? Une vingtaine. Ils adorent le chiffre 20 dans ce jeu, visiblement. On peut pas dézoomer, hein, visiblement. Ok. Les couettes, je suis pas forcément un grand fan des couettes. Après, je vous avoue, on a un visage assez poupon. Alors, soit on essaie de se battre contre ça en faisant quelque chose, une coiffure assez longiligne. Soit on essaie de jouer autour de ce visage poupon. C'est vrai que les couettes jouent souvent dessus. C'est pas mal, ça. Ou les trucs comme ça, mais... pas forcément ce vers quoi je me dirige généralement. Oh, les dreads. Les dreads. Allez, on a fait le tour. C'est vrai que quelque chose comme ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est justement le caractère longiligne, essayer de délancer un peu le visage. On peut essayer ça. Hein. Ah, je suis partant pour ça, moi. Et après, la couleur... quitte à pouvoir teinter nos cheveux, est-ce qu'on partirait pas sur une petite teinture bleue comme ça, là, bleu-violet. Voilà. C'est sympa, non ? Ouais, au final, on change uniquement
le visage et la voix, quoi. Ah! Ah oui, donc j'ai fait le jeu il y a longtemps, mais je vais être très surpris par beaucoup de choses, parce que je me souviens pas de grand-chose. Donc on a des armes. Ça va être notre style de combat. Donc là, c'est slash, c'est quoi? Ah, c'est les types de dégâts, très probablement. Donc là, des dégâts de type tranchant. Ici, on a du tranchant, mais également du perçant, et des trucs qui écrasent. Ça n'existait pas quand j'ai joué, hein. Niganata, là, et les fusils. J'en ai aucun souvenir. Hein. Bon. Moi, je me souviens que j'avais joué comme ça. J'avais joué avec les couteaux. Enfin, les couteaux, ils appellent ça des couteaux, mais c'est double épée, hein. Très, très rapide. C'était plutôt cool. Et je crois que j'avais switché à un moment donné. Je sais pas si on peut switcher, mais il me semble que j'avais à un moment donné eu une épée de ouf. Mais je suis plus sûr. Bref, il y a quoi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 types d'armes. On va choisir un type d'arme de base. Si on peut switcher par la suite, je suis tombé sur 2. No joke. Je suis tombé sur 2, donc je suis tombé sur knives. Donc on va jouer avec les knives. Si par la suite on tombe sur des armes de ouf dans un autre style, on les utilisera peut-être. Mais généralement, je suis assez tenté de recoller vers mon style de base. Quoi qu'il en soit, ça définira au moins le début de notre jeu. Pas de promesse cependant sur le fait qu'on fasse tout jeu avec ce style-là, si on peut switcher par la suite. Commencer le jeu avec ce personnage, oui. No data. Ben, il va y avoir des datas. Bon, vous l'avez remarqué, le jeu est en anglais. Alors, les voix sont en japonais, visiblement. Oui, les voix sont en japonais. Et les textes sont en anglais. Les cinématiques sont jolies. Donc on va essayer de faire de la trad... la trad artisanale, hein. La trad imparfaite, pour donner les grands tenants et aboutissants plutôt de l'histoire, des personnages, et ainsi de suite, sans forcément rentrer dans quelque chose de très littéral ou de parfait. C'est un visage plutôt triste pour quelqu'un d'aussi joli. Par contre, la cinématique, il y a quelques mois, tout ça n'était rien d'autre qu'une forêt super verte. Qui croirait quelque chose comme ça? Ouais, donc c'était un paysage luxuriant et maintenant c'est le monde des petits gobelins. Tout va bien. Ah, si on laisse Léoni, la menace d'Eoni faire ce qu'elle peut, le monde est en danger. Et c'est à nous, les Slayers, d'arrêter tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc là, on a un lancier et une épéiste, visiblement. Et donc, on a les Oni, qui sont les démons qu'il faut qu'on combatte. Et les Slayers, qui sont notre unité de chasseurs, hein, plus ou moins. Je rentre au village. Tu peux finir les choses ici. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle recrue. J'espère qu'elle vaut le coup d'être gardée. Ah, par contre, ça va être chaud, hein, parce que The Witch and the Dread Knight, j'ai fait de la traduction pendant je sais pas combien de sessions. Est-ce que c'est l'élu? Oui, c'est lui. Endormi? En effet. Alors, il est peut-être temps de rêver? Ah oui, je pense, oui. Un rêve d'une bataille d'un passé distant. Un rêve d'un cataclysme pour le futur. Est-ce que ça pourrait être le porteur de nos espoirs? Dans les rêves, nous le saurons et nous le verrons. Ah oui, je disais donc, c'est compliqué. Hein. The Witch and the Dread Knight, la majorité, la quasi-totalité des textes, je peux les passer quand j'en ai envie, c'est le côté visual novel. Mais là, si c'est des cinématiques et enfin, si les gens parlent, ça va être compliqué. Hein. La trad, je vais faire ce que je peux, mais... Oh la vache. Donc lui, c'est le grand démon. Il y a toujours un démon phare, un démon qui est sur la jaquette d'un truc. Oh la vache. Ah, oh. Mais c'est pas mon perso? Qui suis-je? Tu es surpris, tu es confus. Tu as le droit de l'être.
Laisse-moi te donner un conseil. Oui, quelques conseils. Ouvre les yeux. Oui, ouvre les yeux. Et tu verras où tu dois frapper. Tu verras l'éclair dans... Enfin, la lumière dans les ténèbres. Alors, option. Ah! Donc là, on a les parties où il faut frapper. Prends le corps du Oni. Et la tête tombera. Maintenant, fais-le. Frappe. Alors, on frappe avec carré, on frappe avec triangle et on frappe avec rond. Je suis avec mes armes, justement. Hein. Ah oui, ça fait la toupie, ça. Incroyable, je me souviens de la toupie. Même un solaire ne peut pas tuer un Oni seul. Ah! Oui, oui. Ne te retiens pas. Tu as des compétences que tu peux utiliser. R1, augmenter l'attaque, absorber la vie de les... Hein? La vache, c'est compliqué. Maintenant, fais-le. Ah oui, j'ai des trucs, j'ai des compteurs. J'ai compteurs en bas. J'ai des trucs qui me reviennent un peu en tête. Hein. Mais ça fait rien du tout quand je fais R1 machin. Ah, c'est parce que peut-être qu'il me faut la jauge avec les dagues là. C'est des coups spéciaux. Donc oui, je voulais vous dire. Généralement les Monster Hunter Like et les Monster Hunter tout court d'ailleurs. C'est pas toujours le cas, mais c'est pas rare que la jaquette ce soit une grosse créature. Hein, une grosse créature qu'il faille combattre ensuite. Et en l'occurrence, sur la jaquette de Age of Demons. C'était ce mob là. Ah oui, l'essence du Oni est exposée. Frappe. Ah oui, voilà. Ah oui, il y a des trucs qui me reviennent. On en parlera plus tard. De toute façon, on nous expliquera tout. J'ai des features qui me reviennent. Est-ce que nous sommes satisfaits? Ah oui, nous le sommes. Dans le rêve, la dis... Hein? Ah oui, il a prouvé sa valeur. Nous devons avoir de l'espoir. Ah oui, nous le devons. Ah, nous allons attendre. Ah, de l'autre côté, dans un temps distant. Ah, va de l'avant, a Slayer. Le champ de bataille t'attend. Donc oui, j'ai des features qui me reviennent à l'esprit. C'est vrai qu'il y avait pas mal de petits trucs intéressants. On en parlera quand on sera en face. Bon, un peu confus, hein, le début du jeu. C'est compliqué. Ah, ça y est, du texte qu'on peut passer quand on veut. Ah, ça fait plaisir. Ça va me reposer, ça. J'ai eu peur que tout le jeu, je me retrouve à faire de la traduction express. Ce que je fais, mais au moins à mon rythme, quoi. Et Yamato, il est beau, Yamato. Te voilà. Je t'attendais. Tu dois être le nouvel recrue. Je suis sûr que tu es fatigué après un aussi long voyage. Mon nom est Yamato. Je suis le capitaine du quartier des Slayers de ce village. Et maintenant, souhaitons la bienvenue à notre dernier membre, nouveau membre. Et voici Oka. Elle va te montrer comment ça se passe ici. Bonjour, Diana. Ravi de faire ta connaissance. Ah, tu as l'air de savoir comment te tenir en combat. C'est bien. Je le vois rien qu'à ta manière de te tenir debout. Nous avons préparé deux, trois petites choses pour toi. Tout d'abord, va et inscris-toi. Nous allons t'expliquer tes devoirs ensuite. Ok. Montre-lui le chemin. Oui, monsieur. Allez, viens, suis-moi. Alors moi, les illustrations, elles étaient présentes sur Age of Demons aussi, hein, mais sur un écran beaucoup plus petit, hein, c'est la Vita. Et le visage d'Oka, quand elle souriait, j'étais en mode « Oh, le dessin est trop mignon !» Voilà. Là, vous le savez maintenant. Et il y avait beaucoup de temps de chargement, mais c'était un peu plus long que ce qu'on a sur PS4. Hein. Faut l'avouer, fallait être patient, hein. Un forgeron, notre nouveau meilleur ami. Il fallait faire des prières, je crois, avec elle, celle qu'on a vue là. Pour avoir des bonus, des bénédictions. Bienvenue au village de Utakata.
En tant que base des Slayers, nous servons de ligne de front dans le combat contre les Oni. Ou alors Slayer, on pourrait traduire ça comme des gens qui coupent, quoi, mais des gens qui tuent. Mais on va laisser le mot en anglais. Dès qu'il y a une majuscule comme ça. Un peu comme le Black Pearl dans dans Pirates des Caraïbes, quoi. La perle noire. Bien que d'habitude ce soit un endroit en paix, un endroit paisible et joli. Une fois que tu te seras installé, va donc flâner un petit peu dans le village. Bon, et maintenant je vais te montrer ta maison. Suis-moi. J'ai une maison. Oh ? Ah, tu viens de l'Est ? Ah, j'ai entendu des choses. J'ai entendu que les choses sont plutôt mi-figue, mi-raisin là-bas. Ah, je suis contente que tu sois en vie. Alors, ça ne fait pas très longtemps que tu es arrivé dans les Midlands. Les terres du milieu. La terre du milieu, chez les Hobbits. Ah, ne t'inquiète pas. Tu vas très vite t'y habituer. Alors, au fait, quoi qu'il en soit, voici ta maison. Quand on a eu mot que tu allais venir, on l'a rafistolé du mieux qu'on a pu. Oh, c'est trop gentil, ça. Oh, ça a pris beaucoup de dur labeur, hein, tu sais. Ah, c'était une blague. Oh, il faut vraiment que tu te décoinces un peu. Hein. Alors, est-ce qu'on devrait aller à l'intérieur ? Mais ils ont fait un travail de ouf, ils m'ont construit une maison. Cette maison a été vide pendant un très long moment. Utilise-la comme tu le veux. Tu devrais avoir tout le nécessaire pour la vie quotidienne. Mais n'hésite pas à regarder et à t'en assurer. Vous pouvez changer votre équipement et sauvegarder votre progression dans votre maison. Cool. J'aimerais sauvegarder. C'est pas la pierre là pour sauvegarder? C'est quoi ça? Ah, changer équipement. J'aimerais changer mon équipement. Rendre équipement. Le nombre écrit près d'une arme ou d'une armure, ou du moins de leur icône, indique son rang, allant à un maximum de 9. Toutefois... Des armes et des armures de rang plutôt bas peuvent être plus fortes que celles d'un rang plus fort, enfin plus haut, et ce grâce à une fortification répétée. D'accord. Bon, j'ai tout qui est rang 1, bien entendu. J'ai vraiment la tenue de base. Bon, il y a des petites descriptions, c'est tout mignon, mais je vous avoue qu'on va pas les lire, parce que j'aurais déjà bien assez à lire. Et on a des stats sur le côté. C'est quoi ça? On ne sait pas encore. Ah, je crois que je vois quelle feature, quelle fonctionnalité ça va être. On verra ça quand on y sera. Donc on a des points de vie, des points de focus. J'imagine que le focus c'est plus ou moins la mana. Pour faire des coups spéciaux. Soit ça, soit de l'endurance. Mais focus, ça fait plus mana je trouve. Des points d'attaque, de la précision, de la défense. On a des affinités élémentaires. Avec le ciel, le vent, le feu, l'eau et la terre. Et on a également un poids. On a un boost actif. Slayer 7. Ah, parce que j'ai toute l'armure du Slayer. Et ça augmente ma défense. Du coup, ma défense qui est actuellement... on peut pas aller vers la page d'avant. Ah, et ça, c'est moi. Énorme, je suis tellement beau. Donc ma défense à 114, elle est à 114 grâce à un bonus. Je peux changer de coupe de cheveux, ça c'est mignon, on le fera peut-être un jour. Je peux cacher ou afficher mon casque. Pour rappel, mon casque ressemble à ça. Voilà, ça c'est mon casque. C'est espèce de ruban avec les cornes, là. Je vous avoue que je suis à deux doigts de l'enlever. enregistrer l'équipement, j'imagine que c'est pour pouvoir s'amuser à faire des... comment on dit ? Des presets. Est-ce que vous voulez sauvegarder? Ah, c'est le repas pour sauvegarder. Oui, je le veux. Sauvegarde complète, retournez au menu principal. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Chapitre 1. Ah, c'est l'histoire. A new legend begins. D'accord.
Bon, globalement, on nous raconte ce qu'on a déjà vu. Hein. Des lettres confidentielles. Ah, dommage, on est en stream. Nous avons un nouveau devoir, une nouvelle mission. Le Mont Sacré. De la part du Mont Sacré. Enfin, plus exactement, de la part du quartier général des Slayers du Mont Sacré, à Diana. Voici les directives venues du Mont Sacré. Diana, tu as été mutée au village Utakata. Tu dois faire un rapport immédiat à tes supérieurs et rejoindre la défense dans la région. Utakata est un lieu clé des terres du milieu, des Midlands. Concernant la ligne de front dans notre guerre contre les Oni. Nous attendons que tu remplisses pleinement tes devoirs avec ton esprit toujours aussi dédié à notre cause. Que la lumière des héros illumine pour toujours ton chemin. Merci. Bien gentil. Bon bah très bien. Est-ce que tu es prêt pour le prochain arrêt de notre petite visite ? Oui. Notre ligne de ravitaillement a été compromise. Alors, nous ne pourrons pas toujours avoir ce dont nous avons besoin. Mais comme le reste d'entre nous, tu vas juste faire avec. Maintenant, si tu veux bien me suivre. Une cloche d'alarme résonne au loin. Une attaque. Désolé. Il va falloir qu'on fasse tout ça plus tard. Viens avec moi. Il est temps de se battre. Oh là là. C'est l'heure du tuto combat. Enfin, on a déjà eu un tuto combat assez fouillis. Peut-être le vrai tuto. Ah, désolé d'être en retard, monsieur. On est face à quoi ? Un groupe de Oni de bas étage. Et il se dirige tout droit vers le village. Oh, je veux que vous soyez tous prêts à les intercepter. Diana, je sais que tu viens d'arriver, mais je veux que tu y sois toi aussi. Va avec Oka. Et garde Léonie, enfin empêche Léonie d'atteindre le village. Voyons voir si tu es digne d'être appelé un Slayer. Pas de soucis, j'ai des cornes. J'aime ce regard. Nous devons devenir des démons pour combattre les démons, pour protéger le monde des humains. Va, et reviens en vie. Oui. Ah, désolé que les choses se passent aussi vite. Mais c'est comme ça qu'est la vie ici. Nous n'avons pas arrêté de nous battre. Depuis que l'éveil a eu lieu il y a 8 ans. Le Awakening. Depuis que le monde a fini par se faire engloutir par les Oni. En dévorant les âmes et en tordant le temps, ils comptent transformer notre monde en un Other World, un autre monde. La majorité de nos terres ont déjà été prises. Et beaucoup trop de précieuses vies ont été perdues. La magnifique forêt que j'ai autrefois aimée a été tordue au-delà de toute reconnaissance. Nous ne pouvons pas permettre cette violation de notre terre natale. Nous ne pouvons pas permettre que cette violation de notre terre natale continue. Nous devons annihiler chacun d'entre eux jusqu'au dernier. Ok, il est temps. Avant de nous rendre sur le terrain de la mission, tu dois t'enregistrer au bureau là-bas. Yu va te montrer comment tout ça fonctionne. Eh ben d'accord, pas de soucis. Yu, montre-moi. Ravi de vous rencontrer, Diana. Mon nom est Yu. Je m'occupe de faire les registres des missions que chaque Slayer s'engage à faire. Quand vous vous rendez sur le terrain d'une mission, veuillez s'il vous plaît vous inscrire ici.
tout d'abord. Vous pouvez vous rendre sur le champ de bataille via cette sortie. Même si l'invasion est de l'autre côté du village, il faut sortir par là, hein, c'est important. Vous venez d'arriver, et vous êtes déjà forcé de risquer votre vie. S'il vous plaît, revenez sain et sauf. Que la lumière des héros illumine votre chemin. D'accord. Eh, bonjour. Alors, mission. Chapitre 1. Défense de Utakata. Il faut défendre le village Utakata. On a 60 minutes pour le faire. Sur le terrain de Age of Grace. Comme c'est le cas sur les jeux de ce type la majorité du temps, on va avoir des maps qui sont toujours plus ou moins les mêmes, et sur lesquelles différents monstres vont spawner, et on va avoir des missions, soit de destruction de ces monstres, soit de défense, ou peu importe, la manière avec laquelle les choses sont tournées. Donc connaître le champ de bataille à l'avance peut se révéler plutôt cool quand on connaît déjà les maps. Et difficulté 1, on va recevoir 120 balles j'imagine, parce que 100 balles c'est pour dire que c'est de la thune. Vous ne pouvez pas changer les membres de votre équipe pour cette mission. Voulez-vous continuer? Oui. On a vu que Oka avait un symbole def. Il y a marqué d'ailleurs en haut def. Il y a un symbole d'épée, donc c'est une épéiste. Et c'est une épéiste visiblement défensive. On verra si ça joue un rôle par la suite. En tout cas, oui, dans le tuto de Kuroba, on a vu que les mobs... Mais je crois que c'est que les gros monstres qui ont ça. On a vu que les gros monstres avaient... Ah, elle parle! Ah oui, ça a été pollué par le miasme de Oni, le temps et l'espace sont tordus. Il faut opérer à l'intérieur de nos limites. Absorber trop de miasme va nous tuer. Donc voilà, on a la carte en haut qui est organisée en quartier, plutôt pratique pour communiquer avec des gens. C'est quoi ça? Je prie. Énorme. C'est pas trop ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. J'imagine qu'il faut aller là où c'est rouge. Et donc oui, on a vu que les gros mobs... En avant, nous devons devenir des démons pour battre les démons. D'accord. Les gros mobs, parce que là, je pense que ça ne va pas le faire. Oui, voilà. Là, vous voyez qu'il n'y a rien qui brille. Ça permet de voir les barres de vie, hein, c'est déjà bien. Mais les gros mobs, du coup, ont des morceaux. Des morceaux de bronze, voilà. Ça c'est pour l'emmener en l'air je pense, hein, en tout cas. On va voir. Ah non, il s'envole pas avec moi. Quel bâtard. Ah, bâtard. Ah mais je peux le charger ça, ok. Ah, si je le charge, je fais ça, ok. Ça je peux pas le charger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un truc. Ah, et après ça me fait sauter dessus. Ok, rigolo. Je suis un petit mob, ça ne sert strictement à rien. Quand tu bats un Oni, n'oublie pas de faire le rituel de purification avec R1. Cela va libérer ce qu'ils avaient consommé dans ce monde. C'est un autre devoir des Slayers. Ne perds pas ta concentration, ils arrivent encore. Oui, mais c'est difficile de lire en même temps. Les Oni sont apparus. Ok, donc... Le rituel de purification, j'imagine que c'est... Pour nous permettre de choper le loot. Ah oui. R1. Oh non, attends. Voilà, rituel de purification. Je purifie. Elle lui a purifié. Ah donc voilà, la jambe quand je l'avais coupée du gros monstre, j'aurais dû la purifier. Oh, son loot. On peut faire la sauterelle. Incroyable. Ah oui, la toupie. Ah, la toupie, par contre, ça prend la jauge jaune. J'imagine que c'est le focus. Donc là, on chope des griffes, des machins, des bidules. Hein. Ce qui vont nous servir soit à vendre, j'imagine, soit à craft. Ah, il est temps. Ah, il est temps de quoi? Les atomiser quoi, comme d'habitude. Ah mais ils jettent des cailloux. Quel bâtard. Je déteste. Ça c'était mon coup préféré, on va pas se mentir. Et par la suite il y aura une fonctionnalité qui permet d'avoir des buffs, des machins comme ça.
Je prends le temps de purifier le reste. Donc il suffit qu'on fasse un buff de force pendant qu'on fait la toupie, c'est merveilleux. Finalement, j'ai été libéré de ma prison d'interminable obscurité. Je vais commencer mon voyage à ton côté. Remarquable. Tu as eu le cadeau d'invoquer un je sais pas quoi. Amitama. Les Mitama sont les âmes de héros enfermées dans des Oni. Ce sont nos plus grands alliés. Sois fier. Seul un vrai Slayer peut avoir ce cadeau. Il est impératif que tu l'utilises. Tu l'utilises avec sagesse, j'imagine. Et j'ai eu Amitama. Minamoto no Yorimitsu. C'était les buffs dont je parlais juste avant. Mission accomplie. Nos âmes sont liées à nos Mitama, nous donnant des pouvoirs super humains. les gens nous appellent les démons, qui tuent les démons, les gardiens de l'œil de la vérité, les Slayers. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut parler? Donc ouais, je sais plus comment on chope les Mitama, si c'est uniquement dans l'histoire ou si on peut en choper différemment, mais ça va être important. Ça va être des espèces de coups spéciaux. C'est le... Je crois que, si je me trompe pas, mais on verra ça, c'est le croix, carré, rond, triangle, plus R1 qu'on avait vu dans le tuto. On a chopé 270 balles au final. Et plein de trucs. Voilà, des griffes, des crocs, des feuilles... On verra celle. Ah, je peux les vendre directement. Je peux tout storer, enfin tout stocker, tout vendre, ou vendre certains trucs. Pour le moment, on va tout stocker. On a obtenu un Mitama. Minamoto no Yorimitsu. J'ai pour destin de continuer la guerre contre les démons dans ce monde. Il est chaud. Et tous les Mitama ont une espèce de petite carte comme ça qui est bien, bien stylée. Ah bon sang, mais ce casque à cornes, quoi. Enfin, ce bandeau à cornes, je m'en sortirai jamais. Un Mitama lors de ta première mission. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Sais-tu à qui. Enfin, sais-tu quel Mitama tu as libéré de ce Oni? Oui, bien sûr, Minamoto no Yorimitsu. Un héros de la période Heian. Dont on dit qu'il a tué des Oni. Un Mitama qui te va plutôt bien. Les Slayers résident dans l'ombre de l'histoire. Une force secrète qui combat les Oni. Nos âmes communient avec les Mitama. Et leurs habiletés spéciales nous aident lors des combats. Et maintenant, tu es l'une d'entre nous. J'espère que tu es prête. Tu ne vas être que... tu seras de plus en plus occupé à partir de maintenant. Bien, allons faire notre rapport quant au succès à notre capitaine. Enfin, succès de mission. Tu es de retour. Bienvenue. Je suis tellement contente que vous alliez bien. Merci, Yu. On s'est occupé des Oni, monsieur. Vous avez très bien rempli votre devoir. Et toi... tu as très bien fait pour une nouvelle recrue. Nous vivons sous des circonstances... Non, nous vivons sous une menace constante d'attaque. Nos vies sont toujours, sur la sellette. Voilà notre réalité, Diana. D'où viennent les Oni? Pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix attaquer les gens? Personne ne le sait. Mais nous devons nous battre. Ou le monde des humains sera détruit. Même si ce combat continue pour toute l'éternité. Vivre pour combattre un autre jour. Diana.
On va juste dire ok. C'est compris. Oui, bien. Tu t'es bien débrouillé. Tu as ce qu'il faut pour être un Slayer. Diana. Je te nomme officiellement Slayer. Travaille dur. Et affûte tes compétences. Nous devons gagner cette guerre contre Léonie. Aussi. Il semblerait que tu as formé un lien avec un Mitama. Oui. En effet. Comment êtes-vous capable de le dire ? Je peux le sentir. Une autre âme réside maintenant dans la tienne.